Hello tout le monde, bienvenue sur Analyse 02, moi espérons nous en forme. Donc je dis nous allons parler d'un sujet intéressant qui c'est la masturbation masculine. Et si vous pouvez abonner à notre chaîne là, moi je vous fais ça et vous pas oublier activer la cloche de notification pour ne pas rater. Masturbation c'est un phénomène sexuel qui est naturel et très répandu dans le monde là, mais il est considéré donc tabou dans la société. Il y a des gens qui disent que c'est un bon bagage, comme ça tout, des gens qui disent que c'est pas un bon bagage. Historiquement, chaque société fait une vision de masturbation. Donc au Moyen Âge, masturbation n'est pas considéré donc un bagage qui est tabou, tandis que le 19e siècle est arrivé sous l'influence de quelques religions, la médecine s'est dit que masturbation donc une maladie qui mentale, ok? Et ça a été arrivé loin côté où empêché de garçon dormir en bas. Pour pas masturber tes yeux. Mais je dis à une époque qui est beaucoup plus libérale sexuellement, côté masturbation, il n'est pas vraiment posé un problème. Mais ça n'a pas empêché que les gens puissent toujours poser des questions sur masturbation. Il y a des gens qui disent que le masturber tes yeux, ça permet de connaître plus bien, de connaître plus bien. Comme ça, il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas de problème de santé. Eh bien, je dis à une vidéo, ça m'a capable de répondre à toutes ces questions. Masturbation, il commence de très tôt qu'un garçon. Il commence 4 à 5 ans. Côté, si mon âme vient de vrai, une vraie érection, puis il après, ok? Mais il a fait le plus jeune en plaisir physique. Donc, il n'a pas besoin de plaisir sexuel. Donc, ça fait me dire que il n'a pas besoin de plaisir sexuel. C'est parce que toute structure hormonale est beaucoup en place pour permettre des pulsions sexuelles. Masturbation n'est pas un âge ce qu'il est fini avec un garçon. Ou capable un garçon qui commence à masturber de très tôt dans la ville. Et il est capable d'arriver dans le grand monde, il n'est pas jamais campé. On s'est capable un garçon commence à masturber de très tôt dans la ville et il n'est pas jamais campé. Donc en gros, la masturbation ne s'arrête pas avec l'âge. Selon une étude qui fait toute quelque chose dans son anonyme, la première raison qui est venue, c'est que les garçons utilisent la masturbation en tant que courant anti-stress. Okay? Donc, en pleine jouissance, quand les garçons ont les poils et la guide des neurotransmetteurs, ils ont des charges de neurotransmetteurs qui peuvent diminuer le stress, qui peuvent diminuer la nervosité. Donc, les garçons sont stressés, les nerveux, premier réflexe, donc il y a toujours un réflexe pour la baille de brasse. Je continue dans l'arrière. Deuxième raison qui fait garçon faire, c'est somnifère. En plus, les garçons ne sont pas dormir, ils ont toujours marché les têtes et puis ils se mélangent tout de suite après. Donc, c'est toujours le même processus de développement pour les neurotransmetteurs. Là. Et ça conduit à ce qu'il y a un peu de garçons qui sont en cours, donc depuis qu'ils ne sont pas dormir, il faut qu'ils fassent. Troisième raison, c'est anti-ennui. Donc, il y a des gens qui disent que le bagan est à faire, les temps trop longs, ils sont ennuyés. Donc, soit ils font sport, soit ils regardent la télévision, soit ils masturbent. Quatrième raison qu'on pousse les garçons à faire ça, donc selon même étude, ça a été participé, ils ont dit qu'on a des frustrations sexuelles, ok? Des besoins sexuels qui ne sont pas satisfaits. Donc ça fait maintenant qu'on préfère masturber les têtes. Et ça, on a même jeté tout dans la vie de couple. Côté maintenant, au lieu que ait des rapports sexuels avec madame, il préfère satisfaire les têtes parce qu'il a envie que les affaires ne soient pas. Il a fait avec Mounia, elle n'est pas senti de combler. C'est ce que l'elfe fait pour qu'on parle. L'elfe marche vite, bien entendu, l'elfe fait. Il sentit que vite, ça lui-même est comblé. Donc, c'est quatre raisons qui ont poussé les garçons à faire ça. Et si ça t'arrive, tu n'as pas avec un monde qui préfère marche vite, au lieu que l'elfe ait des relations sexuelles normales avant, so, il faut que tu aies posé des questions sur ça. Deuxième raison, c'est pour être capable de contrôler l'éjaculation. C'est là qu'un garçon a une possibilité pour contrôler la station, contrôler le niveau de sensibilité et mesure qu'on a très bien l'examen de parler. Et ça va permettre tout le rapport sexuel pour être capable de contrôler le bien. Deuxième raison qui fait garçon
sexuelle, c'est pour être capable de découvrir l'autre sensation. Donc, on ne peut pas oublier que chaque garçon, ok, fait d'une façon différente. Gain, c'est l'autre toucher telle zone, il sentira plus bien. Gain, l'autre, c'est l'autre zone qui fait plaisir. Gain, tout, c'est l'autre fait plus pression sur pénis. Gain, l'autre sensation qui monte. Côté tout, des fois, on diminue la pression. Ça. Et dans la même étude, ça, Gimon qui dit comme ça que sensation que on gagne leur fait avec main droite là c'est pas même sensation ça on gagne leur fait avec main gauche. Comme ça tout gagne garçon préféré faire avec main droite et vice versa. Donc c'est tout petit bagage ça pour nous déconner pour qui ça OK sur raison qui fait que garçon marche bête yo et dans prochaine vidéo nous gagne pour nous ouais conséquences qui gagne dans marche garçon. Donc c'est pourquoi abonner avec nous moi invite encore une fois pour faire ça. Donc pas oublier tout activer cloche là, OK, pour pas rater aucune vidéo nouvelle qui va sortir et puis tout. À la prochaine.